Foot est fait, bonsoir. Alain, Alain Le Sueur, c'est un observateur ironique de la vie politique locale et nationale. Et il écrit sur son Facebook, balle tragique à l'Elysée, deux morts, Wauquiez et Mélenchon. Moi, je sais que pour Wauquiez, ça y est, c'est fini. Il est bien mort. Et pour Mélenchon, bah, on attendra peut-être un peu. Il reprend ainsi une célèbre du journal Libération à propos du départ de De Gaulle en 1969. C'est vrai que Wauquiez a fait la preuve de son inconsistance au moment des européennes, donc exit Wauquiez, et que Mélenchon est discrédité, qui a fait croire aux Français, après 50 ans de vie politique, qu'il était un perdreau de l'année, alors que c'est un vieux facho déguisé en gaucho. Maxette, point barre, point barre. C'est l'expression favorite de la nouvelle députée européenne que se sont données les Outre-mer, la Guadeloupe en tête, dont elle est originaire. C'est Maxette Pierre-Bacas, syndicaliste agricole qui ne mâche pas ses mots. C'est la dame du Nord-Grande-Terre qui a fêté sa victoire à Capesterbello où elle a fait l'un de ses meilleurs scores. Si elle est bien briefée avant de prendre la parole ou de pousser quelques dossiers, elle pourrait faire le buzz à Bruxelles car elle n'a pas sa langue dans sa poche. Point barre. Point barre. Jean-Claude, venez en aide à Jean-Claude Pioche, maire de la Désirade. Il ne manque pas de courage, il fait plein de choses, mais en ce moment, il est en but à des nouvelles arrivées massives de sargasses. Le bourg, Lanscanot, la plage de Fanfan, celle de Souffleur sont impactées. Ce qui nuit au tourisme, dont vit à côté de la pêche, ces petites communes isolées. La région et le département ne seront pas insensibles à l'appel des secours que lance M. Pioche. Au secours, dit M. Pioche, il faut y répondre. Éric, Jacques, Marilus, Litanie. Aux Philippines, tous les étudiants doivent planter 10 arbres avant leur diplôme. Nous voulons faire la même chose en Guadeloupe. Non pas que le pays ne soit pas vert, mais la tendance de route de Guadeloupe de remplacer en bord de route ou dans les zones urbaines nos arbres et arbustes par des essences venues d'ailleurs est absurde. Rêvons que nos étudiants plantent des manguiers, des letchis, des arbres à pin, etc. Et en quoi un pied de letchi, un manguier, un arbre à pin serait-il incongru dans une cité? Bonsoir et à demain.